à tous et à toutes, c'est Speed Game. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 1 de comment faire un canon. Donc le numéro 1, donc je pense qu'il y en aura au moins 6. Donc 6 canons différents. Alors on va commencer par le basique. Donc déjà on va se créer un nouveau monde. Un monde qui va s'appeler tuto canon, voilà. Hop, au hasard. Par contre, on va se mettre en mode créatif. Voilà. On va mettre un monde plat. Et on va faire, Non, pas un monde plat. Parce que sinon, des fois, on aura besoin de creuser dans le sol et tout ça. Alors, ça le fera pas. Créer le monde. Donc, on crée tout de suite le monde. Et voilà. Là, on se retrouve dans un arbre. Très original. Bon. On va aller. Oula, ça bug un petit peu. Qu'est-ce qu'il se passe? Attendez, je regarde. Normalement, ouais, c'est ça. Bah, je sais pas. Je vais mettre la luminosité au max. Alors, donc, pour le premier canon, on va essayer de se trouver un endroit plat. Oh, tiens, des loups. Un endroit où on peut tirer sur quelque chose. Ah, des montagnes. On va se mettre en haut de la montagne. On va se mettre. Je vais attendre que la montagne se charge. Tac, ça lag un petit peu parce que la map est en train de se charger. Voilà, on va se mettre là. Voilà, c'est bien. Allez, charge-toi ma petite. Ou là-bas, est-ce que c'est plus plat? Ouais, ici c'est bien aussi, on pourrait dire on s'en fout un petit peu. Je vais juste augmenter le render distance, même ça, quoi que pour la construction. Non, c'est bon, ça a l'air de pas plus laguer. Alors, donc, on va se faire un petit terrain déjà. Tac. Voilà. tac. Alors, donc, déjà, vous mettez deux cubes l'un au-dessus de l'autre. N'importe lesquels, par contre, moi, que ça fasse plus joli. Donc déjà, je vais arranger mon inventaire. Donc moi je disais pour que ça fasse plus joli, moi je prends de la brique. Alors, vous prenez de la TNT, hein, c'est normal. Enfin, si vous êtes en mode survie, c'est plus dur avoir de la TNT et tout. Bon bref, moi je vous fais juste le tuto. Alors donc vous prenez de la TNT, vous prenez de l'eau. Alors essayez de trouver un endroit où il neige pas, parce que sinon l'eau va glacer très vite. Enfin, va se transformer en glace. Donc, un seau d'eau. Vous prenez de la redstone, des répéteurs. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Donc, je regarde un petit peu. Un lit au cas où, pour faire passer le jour. La nuit, plutôt. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Bibliothèque, non. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Au pire, on reprendra ce qu'on a oublié. Alors déjà, vous posez deux cubes l'un au-dessus de l'autre. Attendez, ça bug. Voilà. Donc attendez, je me remets pour la construction. Un tout petit, voilà. Et là, c'est normal, voilà. Donc, vous superposez comme ça avec un d'espace. Donc deux cubes... de la matière que vous voulez, mais bon, pas de la laine ou des trucs comme ça. Oh, quoi que si, ça peut aussi fonctionner. Ensuite, donc en fait, la longueur que vous voulez faire, ça dépend après si vous voulez que ça parte loin ou pas loin. Donc moi, je vais le faire entre les deux. Donc ensuite, vous mettez une pressure plate, non, c'est pas une pressure plate, mais c'est une demi-dalle comme de la matière dont vous voulez juste devant, entre les deux. Vous remettez deux cubes. Encore. Et là, vous refaites la même chose. Hop, hop. Et donc seulement du côté gauche, vous remettez encore une fois d'autres cubes. Ici, vous mettez un cube comme ça. Voilà. Et bah, je crois qu'on est paré. Donc je vais faire un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai, un bouton aussi, excusez-moi. Je vais faire un petit truc comme ça, la one again. C'est-à-dire... pas au hasard, mais enfin je vais un petit peu améliorer le concept pendant que je fais ça. Donc il y aura juste besoin d'appuyer sur un seul bouton et puis ça sera bon.
Je vais vous montrer le craft du repeater parce que moi j'ai eu du mal à le trouver. Alors, le craft du repeater vite fait, c'est quoi? C'est... Bon bah déjà il vous faut hein, une table de crafting que vous posez. Ensuite c'est des torches de redstone avec de la pierre lisse. Alors je me rappelle plus très très bien, mais il me semble que c'est ça. Ouais donc attendez, il m'en faut pas mal aussi. Il vous faut 3 pierres lisses, 2 torches de redstone et pas mal de redstone. Et une redstone, excusez-moi. Donc les 2 torches de redstone, vous les mettez là, il me semble, hein, je suis pas sûre. Ça comme ça et la redstone là. Et voilà, donc là ça vous fait un repeater. Ensuite, donc, hop, on peut renlever tout ça. Donc attendez, hop, on va aller plus vite. Voilà. Parfait. Donc on continue. Donc un bouton ici. Un truc de redstone ici. Voilà, je vais prendre du gazon pour allonger un petit peu le terrain. Là. Mince. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tac, donc voilà. Je l'ai allongé le terrain. Comme ça, comme ça. Voilà. Alors, ensuite, vous creusez un trou comme ça. Vous mettez un repeater dans ce sens-là. Là, il me semble que normalement... Voilà, nickel. Ensuite, vous creusez... après, vous creusez le nombre de blocs que vous voulez. Ne vous inquiétez pas, après, on va reboucher. Alors, en fait, là, il faut placer 10 repeaters à 4. Donc là, ça fait déjà un repeater avec ça. Je remets un fil de redstone. C'est pas un fil, c'est de la poudre. Ensuite, donc là, ça fait 1, 2... Attendez. 2, 3, 4... Mince. 4. Alors, 4. De la poudre de redstone. 4, 5. 6, 7, 8, 9. Parfait. Et 10. Donc, quoique. Je vais reculer. Non, ça c'était bon. Oh, mince, ça bug. Attendez, là ça bug, voilà. Ça, il me faut un fil de redstone à la place. Tac, tac, tac. Donc ça, il faut que je le décale. Voilà, nickel. Alors ensuite, on remet ça. On remet un repeater. Et là ensuite je crois que ça va être bon, donc attendez je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends, oh merde je me suis loupée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nickel. Donc vous les mettez tous à 4, pour que ça fasse 4 secondes. Tac, 4, 4, 4. Tac. Non, mince, lui était déjà à 4. 4. 4, 4, 4, donc voilà. Donc moi je le mets sous terre pour que ça se voit pas trop trop. Donc alors normalement, et un fil là. Quand on va appuyer, ça ne l'alimente pas. Voilà, donc faut mettre un cube là. Et là... Voilà, donc là non plus ça l'alimente pas, c'est normal, faut, je suppose, remettre un cube. Voilà, donc là ça alimente partout là, et merde, donc faut le mettre dans l'autre sens, je pense. Tac, à 4, toujours. Attention, est-ce que ça va fonctionner? Merde, j'ai oublié de mettre le cube, voilà. Attention. Comment ça se fait que ça fonctionne pas? Normalement ça devrait fonctionner.
Alors attendez, j'ai encore un lag. On va jamais s'en sortir hein, avec ce lag. Bref. Bon bah je pense que si je mets pas le cul. Merde. Allez. Ma souris, en fait c'est ma souris qui bug. Là, donc là normalement ça devrait le faire. Non? Merde alors. Bon, attendez juste deux secondes. Excusez-moi, j'ai fait un fail. Quelle heure? Merde, c'était pas ça que je voulais casser, c'est pas grave. Voilà, comme ça, nickel. Ça, on peut le mettre. Et... j'ai mal appuyé. Voilà, nickel. Est-ce que quand je le bloque par-dessus, ça fonctionne aussi? Parfait. Et donc là... c'est aussi... comme ça, avec le cube. Là, on appuie. Donc là, tout passe là. Et voilà, nickel croum. Donc, alors ici, vous en mettez partout. Et ici, vous arrêtez ici. Et ici, et ici. Et qu'ici, je te mets ça ici. Bref. Alors, donc on vérifie bien qu'il y en ait bien 10. Donc 1, 2 derrière les trucs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh putain. Il y en a beaucoup trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Encore trop. Voilà. Donc là, normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nickel. Ils sont tous à 4. Voilà. Donc là, c'est parfait. Alors, on peut reboucher ça. Hop, hop. Donc là je fais ça pour que ça soit le moins visible possible. Hop. Tac, toi tu t'enlèves. Alors donc, vous voyez dans ces moments là c'est le moment où on a besoin du lit. Voilà, pour passer la nuit. Donc le tuto va être un petit peu long hein, pour un truc qui dure à peine 2 secondes. Donc j'en suis navrée. Merde. Bon en plus j'ai des lags. Je me suis gourée dans mon tuto. Donc j'ai dû aller voir ma première construction. Ouais donc en fait c'est parce que j'avais inversé. Ouais. C'est une bêtise bête. Donc vous voyez quand... merde. Je suis pas doux, moi. Quand tout sera rebouché. Voilà, donc on verra de la redstone. Hein, c'est un petit peu obligé. Mais bon, ce sera pas la fin du monde. Vous rajoutez un bloc, enfin le bloc que vous voulez ici. Et enfin, c'est là que votre eau va servir. Vous mettez de l'eau ici. Donc alors ça, c'est le minimum que vous devez faire pour que ça parte. Sinon, ça va tout exploser. Enfin, d'après mes expériences. Alors, vous mettez... 3 TNT. Et donc si vous voulez, vous pouvez encore faire la même chose, mais avec un cube de... enfin deux cubes de... une rangée de plus quoi. Ce qui fait que vous pourrez mettre 4 TNT. Donc une fois que vous avez mis tout ça, on va tester ça. Ouf, vous appuyez. Boum, ça part et ça explose ici. Et voilà. Donc vous voyez, ça fonctionne très bien. Et c'est automatisé. Donc bon après, il faut juste recharger. Hein. Ce qui est normal. Bon, par contre, ça vous coûte très très cher en TNT. Regardez. Attention. Pouh ! Et ça peut repéter. Voilà. Donc, pour le deuxième canon, je pense que pour ceux qui auraient du... pour les débutants en redstone, qui voudraient faire plus puissant, bah, le numéro 2, ça sera exactement la même chose, mais en plus puissant. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.